Hey, c'est Alstomer Pa, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler comment construire un Boeing 747 de chez KLM. Alors c'est très simple, vous allez sur internet, Google, appelez le moteur de recherche, vous tapez Boeing 747 KLM, vous allez avoir cette photo là, un très joli bel avion. Donc j'en ai plusieurs, attends, je vais vous les montrer. Je les ai mis dans une pochette pour éviter de les perdre. On se retrouve juste après pour voilà, pour que je découvre comment ils sont faits. Donc voilà la suite de la vidéo. Donc j'ai fait aussi un Air France Boeing 737, comme vous le voyez. Donc c'est un oui. Alors attendez. Voilà, un Boeing 737. Après, il y a un Boeing 747 de Delta, de la compagnie de New York. Ah, c'est un très bel avion, j'aime bien. Il donne ça. Voilà. Après, on a un Boeing 747 de la compagnie que je peux faire n'importe. Air France, Ryanair, Delta, et bien plus encore. Il y a même UPS, Singapore Airlines, voilà. Donc je vous laisse dire dans les commentaires la compagnie que je vous laisse deviner. British Airways aussi, hein, c'est possible. Voilà, vous me le dites dans les commentaires, l'avion que je voulais faire. Voilà. Après, il y a un TAP Portugal, la compagnie portugaise. Ah, c'est un très bel avion, j'aime bien. C'est un A300... Un A330, je pense. Oui, c'est un A330. Enfin, il n'y a pas marqué, mais c'est un A330. Il y avait marqué tout à l'heure. Je me suis renseigné et oui, c'est bien un A330. Alors, moi, j'aime bien. C'est un très bel avion. Je ne pourrais pas vous les construire tout de suite dans la vidéo. Là, pour l'instant, c'est juste un petit visionnage comment j'ai fait pour faire certains avions. Il y a aussi ceux-là que j'ai fait. Attends, je vais vous les montrer. Je reviens tout de suite. Tout de suite. Ok, voilà, donc on se retrouve dans la suite de la vidéo où j'ai plein de Boeing et Airbus, donc on va commencer avec celui-là. Alors là, il s'agit d'un Boeing 777 de chez Air France que j'ai fait. Donc après, ça donnera ça, les avions comme ça, ça donnera ça, ce résultat. Et, ah ouais, c'est un très bel avion, ça fait des beaux modèles d'avions hein, pour les collectionneurs. C'est des origamis. Alors là, comme je vous disais, la compagnie Delta. De New York. Après, il y a Emirates, Arabes Unis, comme ça. C'est un Boeing 777-300ER. Ah, c'est un très bel avion, j'aime bien. Bien. Après, il y a Air Canada. Air Canada. Voilà, comme ça. Après, il y a un SkyTeam Air France. Ah oui, alors SkyTeam, c'est une sous-marque des compagnies aériennes. Par exemple, SkyTeam Lufthansa, Oneworld de British Airways. Ou après, on a encore Star Alliance de Lufthansa. Malheureusement, il n'y a pas Air France. Donc là, il y a Lufthansa. On a 340, Lufthansa. Et le dernier... Il y a Cathay Pacific. Là, ça doit être la compagnie du Pacifique, je pense. Malheureusement, ce n'est pas une compagnie française. Et c'est un Boeing 777-300ER. Et puis là, je vais vous montrer les petites collections que j'ai. Enfin, j'ai beaucoup d'Air France aussi. J'ai ça. J'en ai plein d'avions. J'ai voilà. J'ai même un Dreamlifter. Alors, la vidéo sera pas diffusée, enfin, sera peut-être diffusée demain pour le temps du montage. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!